Eh bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour le début d'un tout nouveau Tour de France. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis. Donc lancement d'un nouveau tour, donc celui de la Trek a été terminé il y a maintenant... Samedi, donc il y a 3-4 jours maintenant. Et on va lancer, je vais lancer un nouveau Tour de France avec une équipe pas du tout vue encore sur YouTube, qui est l'équipe Bora Argon 18. Donc on est parti avec cette équipe où le but ne sera pas de jouer le général, mais le but sera de jouer toutes les victoires d'étape en échappée. Donc on va essayer de faire ça. Donc allez, on est parti, professionnel, officiel. Et du coup, pour ce tour, ça sera les mercredis et les samedis. Voilà, tout simplement, à 15h tous les deux. Donc mercredi 15h, samedi 15h, et c'est parfait. Donc on va prendre celui-là, hop. Et nous allons partir avec la Bora Argon. Alors, c'est la première fois que je vais faire ça sur ma chaîne. D'habitude, on jouait le général, les maillots verts. Là, on ne jouera aucun maillot, peut-être un petit maillot à poids, c'est tout. Mais on verra. Allez, c'est parti, Bora Argon. Tout le tour, on va regarder un petit peu. Donc en montagne, on a 73 montagnes avec Dominique Nert. En sprint, on a du 76. C'est chaud. 74. Ah, mais il a 74 montagnes, Conrad. Lui, en vallon, il est pas mal. Lui, il a quoi comme atout? Rien du tout. Donc, Conrad, ça peut être pas mal. Je regarde vite fait. Regarde vite fait s'il n'y a pas un putain de vallonneur dans le tas, non. Ben, montagne, hop. Donc, Conrad, on aura Bushman pour la montagne. Conrad, Dominique Nert. On aura Dempster, il nous faut Yann Barta, ok. Paul Voss. On n'a pas des autres. Mendes. Non, non, non. Bah écoutez, ça va être notre compo. Donc voilà, la compo, vous voyez qu'elle est pas du tout. On a aucun sprinter 76. On ne sera pas joué les victoires d'étape. On ne sera pas du tout joué le général avec un 74 montagne. Donc on sera joué que peut-être le maillot à poids, c'est tout. Donc on va tester ça peut-être. Non, pas un maillot blanc, mais non, on va pas se focaliser. En gros, on a toutes les étapes, c'est parti. Donc voilà, allez, on avance, trois premières étapes aujourd'hui. En gros, ce qui va se passer, c'est que je vais m'en battre les couilles des leaders, entre guillemets leaders, parce qu'avec 74 on n'est pas leader. Mais je vais complètement les laisser à la ramasse. Par exemple, une étape de plaine où je vois que mon leader se fait lâcher, c'est pas grave, je joue l'échappée à bloc jusqu'au bout. Et ça va être ça le but de ce tour, ça va être de jouer les échappées. C'est une autre façon de voir un Tour de France sur ce jeu. Donc je pense pas qu'un youtubeur l'ait déjà fait ça, viser toutes les victoires d'étape en allant dans les échappées. Je suis clair, c'est sûr qu'on va pas tout gagner, hein. Ça va être très compliqué, on va peut-être en gagner qu'une ou deux. Mais le but va être d'en gagner le plus possible et de faire un bon tour avec beaucoup de victoires d'étape et des échappées partout. On voit que... notre ami à 76, donc on a que un chrono, vous voyez. On a en pavé, ah par contre ça c'est vrai qu'on a personne en pavé. En montagne, on en a 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais mais bon, vous voyez, ils sont pas très bons. Et en sprint, on en a en vallon, il y a qui? Oh, 75 ballons, Zarski. Et en sprint, on a qui? On a Bennett et Dempster, bon. Enfin voilà. En gros, on est parti pour ce chrono avec Yann Barta. Donc c'est parti pour ce tour avec la Bora Argon. Donc j'espère que vous êtes contents de voir cette équipe. C'est une équipe pas commode, je le sais. Mais je vous ai dit, on va essayer de le faire avec toutes les équipes ce Tour de France. Du coup, on est parti avec la Bora Argon cette fois-ci. En parallèle avec le Versus, je sais que ça fera deux tours en même temps sur la chaîne. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous aurez le Versus le mardi et samedi, midi. Et le mercredi et samedi, 15h, vous aurez le tour avec la Bora. Tout simplement. Donc voilà, on est parti du coup pour ce tour. En espérant qu'il se passe bien et sans embûche majeure. Donc je crois que je vais prendre... le tour avec la Trek, c'est celui que j'ai préféré tourner. Mais je crois que là, je vais prendre un kiff. Ça va pas être le même parce que là, il y aura pas de suspense niveau maillot. On n'en jouera aucun peut-être. Si, le maillot à poids, je vous l'ai dit. Mais niveau maillot jaune, ne vous attendez pas à avoir un top 20. Clairement. Je pourrais essayer le top 20 et je pense qu'on l'aurait. On l'aura. Un top 20 avec, notre leader. Je sais même pas c'est qui. Donc avec notre leader. Il y a moyen. Mais je veux pas. Je veux pas. Clairement, je veux pas. Je veux me concentrer sur les échappées. Donc voilà. Dites-moi si vous êtes emballé un peu de ce tour à la sauce échappée. Au mode échappée. Je vous dis toutes les étapes, on va partir. Toutes les étapes, on va essayer de partir dans les échappées. Et tant qu'on n'y sera pas, on ne simulera pas.
Donc le but va être de partir dans toutes les échappées et d'aller au bout, donc par exemple pour l'étape d'après. Alors est-ce qu'on fait un bon temps? On fait un 30e temps, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc niveau, comme je l'ai dit, par exemple pour l'étape d'après, donc celle de Zélande, je vais partir dans l'échappée, je vais contrôler que l'échappée, je ne contrôlerai pas mon sprinter, donc je sprinterai pas. Peut-être que je vais envoyer le sprinter dans l'échappée pour avoir le plus de chances de gagner, je sais pas. Ou alors un gars avec beaucoup d'endurance, je sais pas, on verra. On verra, mais j'ai déjà des petites tactiques pour la montagne. Après pour la plaine, c'est pas du tout encore fait. Mais on verra comment ça va se passer, je pense que ça va être sympa ce petit tour. En tout cas moi je vais m'amuser à le faire. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, mais la miniature de ce tour c'est moi qui l'ai faite. Car maintenant c'est moi qui vais faire toutes mes miniatures. J'ai enfin téléchargé Photoshop et je me suis appris à m'en servir, j'ai appris à m'en servir. Du coup, dites-moi si vous l'aimez la miniature, dites-moi si ça vous plaît, si c'est pas trop dégueulasse. Parce que maintenant, ça sera moi qui va tous les faire. Donc si vous avez des astuces pour m'améliorer en GFX, entre guillemets, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et si jamais vous voulez me les donner en privé sur Skype, n'hésitez pas, mon Skype c'est MonsieurJeuxVideo13. Vous m'envoyez l'invite et tout est bon. Allez, on fait un bon temps là, 23ème. Peut-être objectif un petit top 20, un petit top 15, ça serait excellent. Oh là là, très mal prise. Là, ce virage, je vais relancer. Voilà. Allez, là. Allez, est-ce qu'on va remporter ce chrono? Non, je crois pas. Mais on va essayer de faire un bon temps. On voit qu'on est dans les objectifs, donc ça, c'est cool. Donc, on va tenter de faire un top 20. Ouais, ça me semble pas mal, le petit top 20. Ça me semble même très bien. Ok, très bien. Hop, allez, c'est parti. Dernier kilomètre. 16-23 pardon. Allez Bartha, tu peux le faire mon gars. Voilà, on est passé 16-9. Ok, on a très largement réussi notre objectif. Maintenant il faut voir, est-ce qu'on fait le top 15, top 20? Moi je parie bien un petit top 15, ça peut être sympa. Alors, déjà on n'est pas là, Tony Martin qui sera maillot jaune. Non, on fait 19ème, mais c'est déjà très très bien 19ème temps. Et que Yann Bartha après les autres, vous voyez, bon. On n'a pas du tout une très très bonne équipe, voire même pas du tout. On sera avec un Autrichien, ok. Putain, c'est international l'équipe, quoi. Bah s'ils veulent, hein. Allez, hop. Hop. Du coup, c'est parfait. Du coup, on est parti pour Utrecht, Zélande, étape de plaine. Et on partira dans l'échappée, je vous l'ai dit, toutes les étapes, on part dans l'échappée. C'est une autre façon de jouer, donc on va essayer de jouer comme ça. Je vais essayer de jouer comme ça, en tout cas. En espérant que ça va être palpitant. En essayant de remporter, de mettre à mal le peloton. Maintenant, il faut voir, parce que si le peloton en veut et qu'à 30 bornes, ils se mettent déjà à rouler, je ne pourrai clairement pas aller au bout. Si maintenant, il y a moyen que je résiste, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on va tenter en tout cas. On va tout donner, je vais tout donner pour essayer d'y aller au bout, d'y arriver. Donc par exemple les sprints intermédiaires je vais pas du tout les jouer parce que mon but ça va pas être de crever mon gars dans l'échappée et je vais pas jouer le maillot vert, du coup on ne va pas le jouer. Je vous dis le seul maillot qu'on va jouer c'est la combativité et le maillot à poids. C'est les deux seuls classements qu'on va jouer. Et les victoires d'étape bien entendu. Allez, on va se donner un petit objectif quand même. On va se donner l'objectif de 3 victoires d'étape sur le tour. Bushman, déjà on va prendre les gars qui sont en forme. Yann Bartha par exemple qui a une très très bonne endurance. Que Sam Bennett. Mais il est en bonne forme. Sam. Je prends qui? Parce que. On va prendre Yann Bartha. Ouais, je crois qu'on va prendre Yann Bartha. Parce que c'est le meilleur rouleur. Café, citron, et on est parti. C'est l'un des meilleurs rouleurs de l'équipe. C'est même le meilleur rouleur de l'équipe. Du coup, on va essayer de faire un baroud d'honneur dans l'échappée. Avec lui, donc allez c'est parti, ça fait bizarre de jouer avec la Borin, hein. On n'a pas l'habitude. C'est la première fois que je joue avec une équipe aussi faible. Mais bon après il y en aura des autres, hein. La Bretagne séchée, il y aura également, il y aura qui d'autre, Cofidis. Bon Cofidis non, mais il y a beaucoup d'équipes où on ne pourra pas jouer le général. Donc bon, on va attendre que quelqu'un sorte. On va pas s'enflammer. On va tenter de sortir dès maintenant. Allez c'est parti. Parti pour Yann Bartha. Ah oui, on est 19ème. Est-ce qu'ils vont nous laisser partir? Ouais, je pense. Hein, ils s'en battent les couilles. Je crois que c'est la deuxième étape. Faut juste que.
essaye d'attaquer, mais il y en a trop qui attaquent, je crois. Voilà, il y en a trop qui attaquent et ça plaît pas au peloton. Ça ne plaît pas au peloton. Donc bon, ça ne plaît pas du tout au peloton. Ok, ils ont été repris, on va attendre un peu. Allez, on tente de partir nous. On contre. Okay, on est 5 à être partis. Est-ce qu'ils vont nous laisser partir à 5? Non, ok. Et la dernière fois, Rotterdam, c'était en 2010. Le break n'est pas encore fait, ça relance en tête du peloton. Ça ne veut pas, ça ne veut pas, on est 5. Peut-être tenter une autre tactique, c'est de laisser partir l'échappée et nous on va essayer de les rejoindre. C'est vraiment la première semaine qui va être tendue hein, pour les échappées, c'est vraiment celle-là qui va être compliquée. Après, à partir de la 10e, ça va partir tout seul. Hein. Ok, on va attendre un peu. Ok, meneur. Ça s'anime en tête de peloton. On est trop là, 7. 7, ça va rouler, 7. Ouais, voilà, ça roule, 7. Quand, ouais, on est trop, il faudrait être que 3 ou 4 maximum, mais... Du coup, ça va être une autre affaire, c'est pour l'énergie, vu qu'on va partir dans les échappées. Il va falloir gérer l'énergie des autres. Hein. Allez, on est parti. Encore 7, mais c'est pas possible. Ah, il y en a deux qui se sont fait lâcher. Non, 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 ça part pas, ça veut pas, ça veut très clairement pas. Le peloton ne veut pas laisser partir une échappée nombreuse, entre guillemets, mais ça veut pas, ça veut pas. Ah, ça tente de contrer, mais ça va rouler encore, ça va encore rouler. Voilà, ça roule encore très très fort. Je suis perplexe, je sais pas quoi faire. On va, vous savez quoi, on va simuler, on va attendre qu'une échappée se forme. Et on va rentrer, on va... Parce que là ça veut pas, hein. Très clairement là ça veut pas. Hein. C'est abusé comment le peloton ne veut pas laisser partir. Ah! Ouh! Là c'est parti à 5. Est-ce qu'ils vont par contre laisser un 6ème aller dans l'échappée? J'espère. J'espère qu'ils vont me laisser y aller. Putain, il a déjà pris cher Bartha. Allez là les gars, laissez-moi passer s'il vous plaît. Pas non plus reboucher, laisser trop de temps parce que sinon pour les reboucher ça va être chaud. Bon, normalement Bartha avec une bonne forme il devrait pas avoir de soucis. Si les bosses sont courtes, il passe plutôt bien. Parce que ça va me laisser partir. Non, oh c'est une blague. C'est une grosse blague, ça veut pas me laisser partir. On dirait qu'il fait rouler son équipe pour rattraper le compte. Je suis pas sûr que ce soit utile de continuer ton effort. Ouais mais moi je veux partir moi. On va attendre le sprint intermédiaire. On va attendre le sprint intermédiaire. Du coup, ils m'ont mis une carotte, là. Ils m'ont mis une grosse carotte. Que faire? On va attendre de passer le sprint intermédiaire, parce que généralement, c'est le sprint que ça accélère, puis ils savent plus trop quoi faire, du coup, ils laissent partir. Enfin, voilà, quoi. Mais c'est chiant que le jeu est codé pour ne pas laisser plus de 5 hommes partir, quoi. Et Bartra, et par contre, là... Ah, il est bien placé, c'est cool. C'est cool. Et on va tenter de partir déjà maintenant. Mais c'est une blague. C'est un pur rouleur. Ah, ça je préfère. Différence. De toute façon, il n'a pas trop le choix vu ses qualités. Ça je préfère. Voilà, ils nous ont laissé partir. Bon. Maintenant, il va falloir les reboucher les 3 minutes. Il va falloir les reboucher les 3 minutes, mais bon, je me fais pas de mal pour Bartra. C'est juste qu'on est pas très loin de l'arrivée, du coup, il faudrait qu'il se repose un peu quand même. Avant de revenir dans le groupe de tête. En tout cas, allez, on est parti, ça c'est clair et net. On est parti, est-ce qu'il va savoir rentrer là, Yann Bartra? Oulala! Tout juste. Maintenant, il faut qu'il se repose. Faut qu'il se repose un maximum là. Est-ce qu'il va avoir le temps de se reposer? Ça, c'est la question que je me pose. 3 minutes d'avance. Faudrait que le peloton maintenant laisse de l'avance. Oh putain, il se repose pas des masses. Hein. Non, il perd déjà de l'énergie quoi, 40 bornes.
Ah ouais, mais s'il perd déjà d'énergie à 40 bandes, ça va pas le faire. Hein. Je sais pas quoi faire là. Franchement, je sais pas. J'ai très mal joué. J'ai très mal joué. Ouais, j'ai très très mal joué là avec Bartra. Parce que là, ça va rouler fort et. J'ai plus trop d'énergie quoi. Ah là là, la galère, la galère. Je vous dis, ça va être la galère un peu ce tour. Hein. Il va falloir le temps de se mettre en place là, mais ça va être vraiment la galère. Ouais, mais non, on va pas pouvoir suivre. Hein. On va pas pouvoir résister avec Bartra. Et derrière, derrière, ils prennent tous cher, bah ouais. Franchement, je suis perdu. Je sais pas quoi faire. Je sais pas trop quoi faire, je vous l'avoue. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Et je vois qu'on est costaud hein, avec Bartra. C'est le problème. Bartra, pardon. J'ai dit Bartra depuis tantôt, je me crois, au Barcelone. Je vois qu'on est costaud parce qu'on est petit braquet, on arrive à suivre limite. Mais il a pas, il s'est pas reposé assez. C'est le problème. C'est vraiment un problème. Vu qu'il s'est pas reposé, ben il a pris très cher. Oulala. Ah, ça lâche déjà. Oh putain, ils sont déjà lâchés, mes gars. C'est une blague. Oh là là, mais l'équipe de Brel. L'équipe de Brel. Bon, une minute de d'avance, on va essayer de jouer à bloc. Se reposer un peu là, les gars, s'il vous plaît. Non ? Ils veulent pas ? Allez, 59 secondes d'avance, 1 minute, ça stagne quand même, hein, 16 km, mais nous on a plus d'énergie, hein, c'est le problème un peu. C'est le problème. On va déjà devoir prendre notre ravito et on va pas tenir, hein, on va pas tenir très loin de là. On va pas pouvoir tenir le rythme. Ouais, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué, je sais pas trop quoi faire là. Je sais pas trop quoi faire là, 13 km. On doit prendre notre ravito déjà, 13 bornes. 40 secondes, je pense pas que ça va résister beaucoup. Je pense pas, je pense pas. Regardez, on les voit là-bas au fond. 35 secondes d'avance. Oulala, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ça roule plus tellement en plus. Je sais pas, c'est bizarre. Ça roule pas. Ça roule mais ça roule pas. C'est chelou. C'est étrange. Est-ce qu'on en a un qui est dans le plus... Oh là 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 là, l'équipe de Brel. Oh, oh là là là. Oh, ça fait peur. Ça fait peur qu'on voit ça. Ils sont tous derniers. Vous voyez, là, ça attaque et nous, on va pas pouvoir suivre, malheureusement. Oh là là, ils ont pris 2 minutes déjà. Va falloir essayer de suivre. Va falloir essayer de suivre, mais bon, ça, c'est peine perdue, je crois. En général. 4 secondes, va falloir se reposer là. Non, 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 on va pas pouvoir terminer l'étape. 25 secondes, on a plus de barre bleue. On a plus de barre bleue. Ah, c'est dommage, on aurait pu se reposer, on aurait pu peut-être faire un truc, mais c'est vraiment dommage. Ils sont plus de 38, hein. Ils sont plus de 38. Mais si ça se regarde, regardez là, j'ai l'impression que ça se regarde un peu dans le peloton. Parce que ça diminue. Regardez, 33 secondes, ça a un peu ralenti. Mais bon, la barre bleue, c'est pas beaucoup. Elle est très petite, hein, la barre bleue. Faut se reposer un peu, là, les gars. Faut essayer de se reposer un peu, on est plus que 5. C'est avant tout un rouleur équipier, même s'il dispose de capacité au sprint. Allez, on va se rattraper, malheureusement. J'essaie de me reposer un peu, mais c'est pas évident. La route pour rejoindre l'arrivée à Zélande est très large et quasi rectiligne. Ah, c'est moche, 4 km. Oh, c'est très moche. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton.
que ça roule pas non plus des masses hein, derrière. Oh là là, ça va être tendu, ça va être tendu. Imaginez, on n'aurait pas, on aurait pu se reposer. Ouf. C'était une catastrophe hein, pour le peloton. Voilà, on est repris. Ah là là, malheureusement. Ouais, non, on va pouvoir rien faire. Ah là là, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Se faire reprendre si proche de l'arrivée. Allez, 900 mètres. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, bah, écoutez, première étape, c'est un fail. C'est un gros fail, première étape. Mais bon, on va terminer. Ouais, bon, on termine 22e. Bon. Voilà, écoutez, fin de cette deuxième étape. Oh là là, vous avez vu, c'est assez compliqué. Hein. On aurait pu... Franchement, on aurait pu aller au bout si il s'était reposé assez. Mais il n'a pas eu le temps de se reposer, donc ça nous a coûté très très cher. Mais vous voyez l'équipe qu'on a. Hein. L'équipe qu'on a, je ne les ai pas contrôlés. Ils se sont fait tous lâcher. C'est une catastrophe. Ah ouais, on va regarder les objectifs du tour, par contre. On va regarder. Du coup, victoire d'André Greipel. Il y a eu des écarts. Oh là là, beaucoup d'écarts. Pour une fois sur cette étape, c'est compté les écarts. Ok. Ok, ok. Bon, bah écoutez, suivant. On est quatrième du général avec Yann Bartha. C'est pas mal. C'est pas mal. Écoutez, on jouait pas le général, on est quatrième. Bon, ça va pas durer parce que regarde. Oh là 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 là. Bon, allez, suivant. Ok. Et c'est parti pour le mur de Huy. J'ai déjà ma tactique pour le mur de Huy. On va partir avec un bon puncher dans l'échappée. Il me semble qu'il y en a un qui a 75. On va regarder dans les punchers ceux qui ont une bonne forme. Et celui qui a une bonne forme, on l'enverra dans l'échappée. On essayera de résister au retour du peloton. Dans cette étape du mur de Huy, ça va être très compliqué. Mais on va essayer de la victoire d'étape. Parce que c'est une des étapes que je gagne le plus souvent. Donc on va viser une victoire. Très clairement. On va essayer de viser une victoire. Mais vous avez vu, clairement, vous avez vu l'idée de ce tour. C'est vraiment de donner à fond ses chances à l'échappée. Et ne pas contrôler les gars derrière. Parce que le but, c'est des victoires d'étape. C'est pas le général. Et ni le maillot vert, ni le maillot blanc. Donc, ni le maillot jaune. Donc on ne va pas essayer de gérer le sprinter de l'équipe par exemple derrière pour essayer de faire des points, non. Le but c'est d'aller parce que même avec 74 sprints, j'ai bien peur que... Est-ce qu'on en a une bonne fin? Ouh, 72 vallons, il est en excellente forme. Paul Vos. 75 lui. On va tenter de partir avec Paul Vos. On va partir avec Paul Vos, Café Citron. Et on est parti pour cette étape, troisième étape, mur de Huy, dernière étape de la vidéo. En espérant qu'on parte facilement avec Vos et en espérant qu'il prenne pas trop cher avant les hostilités, avant l'arrivée. Parce que ce serait bien qu'il puisse résister au retour des favoris derrière. Pour s'admettre une putain de victoire, hein. C'est pas donné à tout le monde une victoire au mur de Huy sur un Tour de France. Donc si on arrive à la remporter cette victoire d'étape, même une victoire générale au Tour de France, hein, c'est pas donné. La Bora, je crois qu'ils ont jamais gagné sur le Tour, enfin je suis pas sûr. J'ai pas l'idée que cette année ils ont. Non, cette année ils ont pas gagné, hein, la Bora. L'année d'avant c'était pas la Bora, c'était un autre nom, c'était l'année étape. Mais il me semble même pas que l'année étape ils avaient gagné, donc cette équipe n'a pas encore gagné sur le Tour. Enfin, même une victoire d'étape pour une équipe comme ça, on se souvient la joie de la MTN quand ils ont réussi à gagner avec Steph Cummings à l'arrivée. C'était quelle arrivée? C'était l'arrivée à Mende, avec la fameuse côte, le mur de 3 km à 15%. Donc bon, allez, on essaye de partir directement, il est en excellente forme, Paul Vos. Donc on part, on perd pas de temps. Ok, ils m'ont pas laissé partir. Contre-attaque dans le peloton. Voilà, on est parti. Seb Van Marck qui contre. On est en excellente forme. Oh, on est parti à 3. Peut-être la bonne affaire là. On est parti à 3 directement. Est-ce que si on simule, on part à 3? C'est pas mal ce qui se passe là. C'est pas mal ce qui est en train de se passer avec Paul Vos. Et oui, on est parti. Voilà l'échappée qui est déjà formée. Ça n'a pas du tout bataillé. Ça, c'est très bon pour l'énergie de Vos. Donc on va tenter, on va viser la victoire d'étape aujourd'hui sur cette étape. En espérant réussir, il y a Grégory Rass et Seb Van Marck qui ne me font pas du tout peur ces deux coureurs pour l'arrivée à Huy. Donc on verra Grégory Rass qui est 19ème. Bon, il n'avait pas perdu de temps dans l'étape d'avant. Par contre, Van Marck, il a déjà pris très cher. On voit déjà les écarts, hein. Il y a beaucoup d'écarts. On voit tous les coureurs qui sont à plus de 2 minutes. C'est assez rare de voir ça sur une troisième étape d'un tour, de voir tout le monde à 2 minutes. Donc bon. Allez. Allez, il perd pas d'énergie pour le moment, c'est très bon. Il a une excellente forme, donc ça peut jouer. Hein. Ça peut vraiment jouer aujourd'hui.
Allez, on va reprendre le ravito au sommet de la du quatrième catégorie. Pourquoi pas? Ouais, non, on va jouer les points avec Voss pour porter le maillot à poids. Parce que ça peut déjà être une très bonne chose de porter le maillot à poids. Donc hop, on va reprendre maintenant à 3 km et on va essayer de jouer les points avec Voss. Parce que c'est les premiers points de ce tour, je le rappelle, hein, première côte répertoriée sur ce Tour de France. Elle survient qu'à la troisième étape, c'est rare aussi ça, mais... Va falloir essayer de prendre les points avec Paul Voss. On est très bon en vallon, en punch, enfin très bon, on a 72 en punch, on a une excellente forme, du coup ça nous fait peut-être un petit 75. Donc on va tester. On va tester très clairement. Allez, on tente une accélération là avec Paul Voss, dès le pied. Oh là là, il est déjà lâché Grégory Rast. Bon, pas très fut-fut là, à l'artiste. Le petit braquet, il est déjà en train d'attaquer cette Van Marck. Apparemment, mais je suis petit braqué, j'ai joué aussi vite que lui. Allez, il a plus de barre rouge, on refait une accélération là. Oui, il lâche, facile. Oh là là, comment on a été facile sur cette côte. Voilà, on prend un point avec Paul Voss, ça c'est excellent. Très très bonne affaire pour l'équipe Bora-Argon. On va peut-être porter le maillot à poids au moins une fois sur ce Tour de France, porter un maillot distinctif, donc ça va faire un podium aujourd'hui. Oh, ça c'est excellent ça, parce que même un podium sur une étape, que ce soit combatif ou quoi, c'est excellent pour l'équipe. On va attendre Sylvain Marc et Grégory Rast. Les hommes de tête entrent dans la zone de ravitaillement. Voilà, maintenant il faut se reposer. Oh là là, non, ça. Il se repose pas. Il se repose pas du tout, même. Oh, ça va être tendu là. Ça va être tendu. Une 20, on a presque plus d'énergie déjà. Ah, c'est Van Marck qui nous met cher sur le plein. Il nous met très cher en pleine, hein, Van Marck. Par contre, dans les boss, on va leur mettre cher. Ne vous en faites pas. On va essayer de gérer. On va essayer de gérer un maximum. Les coureurs entament maintenant l'ascension de la côte. Au pire, on a Uzarski, j'ai envie de dire, derrière. Si jamais ça passe pas, tenter une attaque. Allez, c'est parti. 1 km 6. Tente déjà une attaque. Gros braqué. Eh oui, on est comme ça. Gros braqué. Il faut les faire craquer là, les deux. Voilà, c'est fini pour Grégory Rast. 1 minute d'avance. Oh, ça va être tendu. Niveau énergie, ça va être très tendu. Hein. Et on les voit passer là-bas. Ils sont tout au bout. Oh, ça va être très tendu. En tout cas, Rast, il ne gagnera pas aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. On tente une accélération. Le peloton est maintenant pointé à 1 minute. Van Marck, qui a du mal à suivre. Mais il est là. Il est encore là, là, c'est Van Marck. Et on reprend encore un point, avec Paul Voss. Ça nous fait 2 points. Si on arrive à prendre un petit point, c'est fini pour Seb Van Marck. On est tout seul. Ça va être tendu, regardez notre barre bleue, ça va être très tendu. Ça lâche déjà derrière, hein. Alors on va pouvoir se reposer un peu là. Allez, crevaison pour Jean-Christophe Perron. On peut récupérer. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. C'est fini pour Dempster. On va donner le ravito. Oh, ils sont tous lâchés, c'est une blague. Allez là, 48 secondes d'avance. On est le seul rescapé là de l'échappée. Non, il y a Grégory Rast encore là. 48 secondes, 47. Il roule très fort derrière. Il roule très très fort. On va se donner à fond. Et ça a cassé, hein. Regardez, ils sont plus que 58. 38 secondes. Ouh, il roule très très fort là, j'ai l'impression. Allez, on va récupérer un maximum. T'as 30 secondes sur le peloton. Hop. Voilà, 30 secondes d'avance. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, c'est même dégueulasse. Tout le monde est... Ouais, ils sont tous revenus. Ok. Hop. Allez là, là faut rouler 10 km, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix là, il faut rouler. 10 km de l'arrivée et encore deux difficultés au programme, le mur Saint-Léonard et le mur Saint-Léonard et mur de Huy. Oh, ça va être tendu, 30 secondes.
Ça va être extrêmement tendu là pour Paul Voss. Ça va être extrêmement tendu là. Oh, je sais pas quoi faire. Attendre, non, 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 on va pas attendre, on va se donner à fond. 25 secondes. Le mur Saint-Léonard fait un peu plus d'un kilomètre avec des passages avoisinant les 14%. De quoi procéder à une première voilà, sélection. Hop. Et ensuite, il restera 5 kilomètres. C'est parti pour le mur Saint-Léonard. T'as encore 2 kilomètres avant d'arriver au grimpeur. Allez, on prend le ravito à 1 km du sommet. 20 secondes d'avance. 20 secondes d'avance pour Paul Voss. C'est la Cannondale Garmin qui roule derrière. Hein. On essaye de résister, mais ça va être tendu. Hein. Ça va être extrêmement tendu là. Même la barre bleue, elle va être tendue. Elle va être très tendue la barre bleue. Oh là là, oh là 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 là. Oh, ça est tendu. 15 secondes, 15 secondes. Il essaie de sortir du... Et attaque, attaque de Daniel Martin. Oh, j'ai pas fait gaffe ma barre. Oh là là. Oh, ça va être tendu. Oh, ça va être très tendu. Je sais pas si on va avoir une barre bleue suffisante. Hein. Oh, Dan Martin qui revient sur nous là. Les coureurs vont pouvoir souffler un tout petit peu dans la descente. Ils devront toutefois rester bien placés pour espérer l'emporter en haut du mur de huit et de ces fameux passages à près de 20%. Oh, cette barre bleue. Oh, cette barre bleue dégueulasse. Usa... Oh là là là. On peut pas les suivre. On peut pas les suivre. On va pas pouvoir les suivre. Ouh, ça va être tendu. Oh, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué là avec Paul Voss. Ah non, il se repose pas, il se repose pas du tout. Ah là là, encore une erreur, encore une défaite pour la Bora. Va falloir résister maintenant, essayer de faire une bonne place. Par contre, on va prendre, ça c'est sûr, on sera maillot à poids. On sera maillot à poids, ça c'est une certitude. Oh là là. Groupe 2, groupe 3, Uzarski il est pas mal. Enfin ouais non, il est dégueulasse. Mais... Froome qui me bloque, super. Super sportivité de Christopher Froome. Par contre Valverde est bien là. On est petit braqué, on est petit braqué, on peut pas être plus. Même petit braqué, on va clamser. Oh ça va être tendu. Oh ça va être tendu. Oh là là. Oh là là, oh là là, top 15, non, 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 non. On va faire 17ème, 17ème de l'étape, oh là là. Ah, c'est galère, c'est vraiment galère, c'est très compliqué, hein. C'est extrêmement compliqué, ouais. C'est extrêmement compliqué. Bon, après, voilà, c'est les premières étapes de plaine. Peut-être que dans la montagne, ça va être un peu plus simple, enfin, quoique non. Mais, ça, ouais, il y a des étapes, ça va être plus simple, mais là, c'est vrai que c'est compliqué, ces étapes-ci, parce que le peloton ne veut pas laisser beaucoup d'avance à l'échappée. Donc bon, mais on est maillot à poids. On est maillot à poids, donc objectif rempli. On a premier podium. J'ai un peu bégayé là. Podium pour l'équipe Bora Argon. Et c'est un très très gros objectif là. C'est très très bien pour la Bora Argon d'être, de monter sur le podium de ce tour. Donc au terme de la troisième étape, on est maillot à poids avec Paul Voss. Autour d'une très bonne étape hein, aujourd'hui quand même. Parce qu'il est dans l'échappée, il résiste jusqu'à deux bornes de l'arrivée. Et malheureusement, bah, au mur de oui, bah, il y a un classement de la combativité. Ok. Mais écoutez, voilà, c'est où Dan Martin qui remporte l'étape. Ok. Ok, ok, on fait 19ème. 17ème, pardon. Écoutez, on va sauvegarder. On va sauvegarder ici. Pas besoin de laisser autant de la trek. Ici. Et peut-être une dernière fois. Ouais. Voilà. Suivant du coup au général, bon on a personne, hein, c'est logique. Mais on est maillot à poids. Ouh, un point. Ouh, on a eu très chaud. Bon bah écoutez, c'est parfait. Combativité. Oh dommage. Bah c'est parfait, c'est parfait. Ok écoutez, suivant. Oh là là. Bah écoutez, on va se retrouver la prochaine fois pour l'étape 4, 5 et 6 entre Serein et Cambrai, Arras et Amiens et à Beuville-le-Havre.
ça va être très tendu sur toutes les tables des pavés. Donc on va faire avec. Donc en tout cas, j'espère que ce début de tour vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous êtes content de l'équipe de Labora Argon 18. N'hésitez pas à me donner des conseils pour m'améliorer dans les échappées, hein. C'est vrai que c'est, je fais rarement des échappées comme ça. Essayer de gagner les étapes avec les échappées, je fais très rarement ça. Mais on verra comment ça va se passer. J'espère au moins, je vous ai dit 3 victoires d'étape. C'est peut-être beaucoup, 3 victoires, mais on va tenter au moins en avoir une, quoi. Ce serait énorme. Déjà, on a le maillot à poids pour la prochaine fois, donc on va essayer de le défendre. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Nous, on va se retrouver très vite. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Twitch. Tous les liens sont dans la description. Et puis voilà, ajoutez-moi sur Skype, la console, Monsieur Jeux Vidéo 13, je le rappelle. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.